Oh mais purée, mais c'est dégueulasse quoi! Qu'est-ce qui t'arrive encore? J'en ai ma claque de ces toilettes, ça me dégoûte quoi! Viens voir! Bon, qu'est-ce qui t'arrive encore? Bah viens voir, c'est vraiment dégueulasse. Il y a plein de caca! C'est répugnant quoi! Alors, ça dégage! Oh, ça passe pas. On a perdu la boue. Au revoir. Allez hop, ça dégage. J'en ai marre. On a pris la décision de démonter notre toilette chimique, ouais. Nautique. Elle est les deux, hein. Donc elle est chimique, elle est nautique, voilà. Suite à plusieurs problèmes de bouchons et tout ça, il a fallu quand même plusieurs fois tout déboucher. C'est pas jojo, franchement. Aurélie, elle a dû mettre les mains dedans et tout. Enfin. Vous verrez, je mettrai quelques petites photos sur Instagram. Enfin, en tout cas, vous l'avez sûrement déjà vu dans les stories. On va vous passer les détails, mais voilà, on a pris la décision de virer la toilette chimique pour un truc qui nous correspond plus. Plus écologique. Plus écologique. Donc, plus autonome. Plus de produits chimiques et autonomie, parce que c'est un truc où on balance plus d'eau dedans. Voilà. Donc, ce sont, pour tout vous dire, ce sont des toilettes... Oui, c'est sèche, sec. On a contacté plusieurs marques et celle qui a désiré et qui a accepté notre partenariat aussi, parce qu'on va être honnête, c'est un partenariat, mais un peu différent de ce que d'autres personnes font. On vous a déjà expliqué dans le comment on pensait aborder les partenariats, et voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc on a contacté plusieurs marques en leur expliquant notre projet. Voilà, et c'est Trellino qui nous a répondu favorablement, super sympathiquement en plus. Donc, merci Jana, parce que c'est elle qui s'est occupée du dossier. Voilà. Adieu à notre toilette chimique, et on dit bonjour à une Trellino. Alors Trellino, qu'est-ce que c'est? Ce sont des toilettes sèches. Alors il faut savoir qu'on a contacté quelques marques pour savoir s'ils étaient partants de nous suivre dans nos aventures, et Trellino a accepté le challenge. Ils nous ont permis d'avoir une toilette, mais pas n'importe laquelle. On va vous montrer ça en image, mais d'abord, place au déballage. Et on a hâte parce qu'on ne l'a pas encore vu non plus. Alors, faut savoir que quand on les a contactés, on a eu le choix de choisir la toilette en question. Oula. Là là, c'est une grosse bête. Hein. On les a contactés, on leur a expliqué un peu notre démarche. Le fait de vivre en camping-car pendant un an... et si plus affinité, et du coup qu'on voulait en fait se débarrasser de notre toilette chimique parce qu'elle devenait qu'elle ne correspondait pas du tout à notre philosophie et qu'on voulait avoir quelque chose de plus sain et plus écologique. Donc du coup Trellino nous a proposé de choisir parmi une de leurs toilettes sèches de leur gamme, et c'est celle-ci que nous avons choisi. Donc couvercle aimanté, couvercle en bois naturel. C'est vraiment du bois, c'est pas du plastique effet bois. C'est juste magnifique. Et alors à l'intérieur, il y a un séparateur pour urine. Le pipi c'est par là. Par là, le pipi. Et là, le caca. Le caca c'est par là. Alors, hop. J'ouvre le compartiment qui est ici. Hop. Donc dans ce bidon-ci, vous allez voir, c'est là qu'il va y avoir la récolte des urines. Et en fait, vous avez ceci. Ça évite aux odeurs de remonter et à l'urine de ne pas se mettre partout aussi. Et le petit bac à caca, c'est celui-ci. Alors on peut mettre ce qu'on veut dedans, on peut mettre de la litière, des copeaux de bois. On peut mettre chez eux, ils proposent une sorte de terreau. Voilà, ici c'est tout vide. Vous avez le petit couvercle pour remplacer celui-ci quand on va vidanger. Vous avez le petit mode d'emploi avec leur gamme. Il est petit sac à caca, biodégradable également. Biodégradable, ouais. Voilà. Donc ici, déjection. Le bac. Urine. Hop, je remets tout ça en place pour ne pas perdre des pièces. Bon, et bien voilà, c'était donc cette petite vidéo sur notre nouvelle Trellino, notre nouvelle toilette sèche. Alors, restez bien connectés parce que comme on l'a dit dans cette vidéo, il va y avoir un concours.
Alors, n'hésitez pas, commentez, partagez, faites du bruit pour cette vidéo parce que la prochaine, ce sera vraiment le concours et là on compte sur tout le monde pour participer. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine les amis pour le concours. Eh bien voilà, aujourd'hui ça y est, c'est le grand jour du concours. Ouais. Vous l'attendiez, elle va arriver, elle devrait être là. Elle est où? Je sais pas, elle devrait être là. Là? Là. Là? Là. T'es sûr? Attends. Comment ils font les autres encore? Faut pas claquer des doigts, un truc comme ça? Là, ça... Ah, ça marche pas! Taper dans les mains? Ça marche pas. Si tu fais une roulade, je suis sûr que ça marche. Non. Allez! Non. Alors, et si tu fais 30 fois le tour du menhir, ça marche? Il n'y en a pas ici! Faut claquer des mains en même temps. 3, 2, 1. Ah, mais ça y est, ça a marché. Elle est arrivée, elle est là. Et c'est pour vous! Super cadeau. On déballe? Bon, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, à savoir qu'on l'a choisi, on l'a sélectionné en pensant à ceux qui avaient des vannes ou des petites camionnettes. Je tiens à préciser. Oh là, la belle bête. Hop, on va essayer de ne pas la salir. Ah, parce qu'on doit vous la renvoyer après. Hein. Oui, c'est ça le but aussi. Hein. Alors, on a choisi le même modèle que le nôtre. Mais un peu plus petit. Mais un peu plus petit, un peu plus sympa. Hop. Alors, il y a les poignées des deux côtés pour que vous puissiez facilement la transporter. On s'est dit qu'on allait prendre plus petit, comme ça, ça passe en dessous d'une banquette, en voilà, dessous d'un... vraiment pour les dans des petits aménagements, ça, ouais. Ça peut passer sympa. Donc de nouveau, vous avez le couvercle aimanté. Et franchement, regardez, si je ne le sélectionne pas, voilà, on part avec l'autre bout. Hop. Donc, vous avez le superbe couvercle. De nouveau séparateur urine et sel. Voyez. Hop. Ma main innocente qui filme. Alors vous avez donc le petit bidon. Et alors, de nouveau ici. L'anti-retour. L'anti-retour. Donc si c'est plein ou en partie. C'est surtout fait pour que quand vous rouliez, ça ne ressort pas avec les mouvements du véhicule. Voilà. C'est pour ça que c'est fait. Et quand vous allez le vider, il y a un autre couvercle à mettre à la place pour éviter que ça se renverse, qu'il y ait un accident. Donc vous avez ceci. Pour le pipi. Pour le pipi. Hop. Alors on vous offrira également le kit d'entretien parce que du coup Jana nous a envoyé le kit d'entretien pour vous montrer ce que c'était. Je vais juste mettre le couvercle ici en dessous. Donc dans le kit d'entretien vous aviez donc ce terreau qui est biodégradable du coup. Donc il y a 1,5 litre dedans. Voilà. De nouveau comme pour les toilettes sèches classiques, vous mettez au fur et à mesure, il ne faut pas tout mettre dedans non plus. Il y avait un rouleau donc de sacs biodégradables dans le kit et une dans le WC, enfin dans la toilette sèche. Donc du coup vous allez en avoir deux. Je vais faire popo pendant un moment. Ah bah regardez, oh un troisième cadeau, voilà. Et donc ici vous avez le petit mode d'emploi, très facile d'entretien comme on vous le disait. Et là donc vous avez la boîte à caca. La petite boîte à caca, de nouveau on peut refermer. Si vraiment vous êtes, vous avez peur que ça déborde ou que ça fasse des odeurs, vous pouvez toujours le refermer. Mais honnêtement, nous on l'a jamais refermé depuis qu'on l'utilise et c'est top. Franchement, c'est nickel. Donc tout ça, donc le kit d'entretien, sac poubelle, kit d'entretien, cette magnifique toilette sèche avec ce magnifique petit, hop, loulou. Merci. Petit séparateur. Hop. Voilà. Donc, c'est un cadeau pour vous de la part de Trellino que vous pouvez gagner. Alors, pour le gagner, c'est très simple. Vous abonnez à notre chaîne, forcément. Vous commentez. Et parmi les commentaires, on va sélectionner quelqu'un au hasard. On laissera combien de temps, mon amour, avant la sélection? Dis-moi, une semaine? Un mois? Allez, va pour un mois. On vous laisse un mois pour donc commenter, partager, mais surtout commenter la vidéo parce que c'est un de vos commentaires qui sera sélectionné et on contactera la personne.
Voilà. Bah, bonne chance à tous. On croise les doigts pour le regagnant. Au revoir les amis, à la prochaine. Alors petit point aussi, on a un peu oublié pour le gagnant, le futur gagnant. Pour la livraison, donc bien sûr, si vous êtes loin, on vous l'enverra par la poste ou un colis classique. Maintenant, si vous n'êtes pas trop loin, on peut peut-être s'arranger pour se voir en fait, pour venir vous le déposer. Tout simplement. C'est vraiment super ça. Ça pourrait être sympa. Comme ça, ça nous fait rencontrer des abonnés, nouveaux ou anciens, et on verra bien. Donc voilà, ça on verra quand le gagnant sera désigné. Gros bonne bisous. Chance. Bisous. Ciao et bonne chance à tous. Ciao. Partagez à fond. Oui.